Tiếp theo là phần đọc một đoạn trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông mà Đức Phật lưu ý loài người sống vào thời kỳ nguyên tử và điện tử nên biết để trái đất và loài người không bị diệt vong sớm bằng tiếng Pháp. Phần này sẽ do thiền gia Thị Dung đọc. Xin mời thiền gia. Introduction. Ce qui suit à la lecture des passages dans le livre, la doctrine du Bouddhisme scientifique et de la Secte Zen. Le Bouddha y a noté que les humains vivants à l'époque atomique et électronique devraient savoir que la Terre et l'humanité ne prépareront pas de sitôt. Leçon 24. Le Bouddhisme scientifique et la Secte Zen prennent cette sens pour sauver l'humanité et la Terre. Chaque Bouddha, quand il est né, a rappelé à l'humanité la survie de la Terre. Moi, Prince Siddhartha, voudrais rappeler à l'humanité quatre parties. 1. La Terre, produite par le Conseil Céleste de quatre Maha-Ajats, a été achevée en exactement 1 million d'années. 2. La durée de vie de la Terre est de 10 milliards d'années. 3. La Terre ne contient pas plus de 10 milliards de personnes. 4. Comme la nature humaine a 4 aspects très spéciaux. Premièrement, c'est la pensée à toutes sortes de choses pour tromper les idiots, pour obtenir le bien de l'ignorant. Deuxièmement, c'est l'avidité, vouloir avidement ce que les autres possèdent et s'approprier. Troisièmement, c'est le mal, la terre et l'humanité sont détruites par le mal de l'homme. Quatrièmement, c'est la connaissance en raison de ses attachements à la connaissance. Personne ne sait de personne, n'importe qui utilise l'arme la plus brutale. Tous les humains et détruit la vie sur la terre. Ramène les humains de l'époque la lui civilisée à l'âge de pierre. Cet incident est répété toutes les 10 000 ans. À une telle répétition, un certain million de fois, la terre se désintègre et bouscette sa bataille. Pour cette raison, toutes les 10 000 ans, est née une personne universelle et omnisciente pour montrer à l'humanité qu'il ne faut pas utiliser le mal pour se détruire et détruire la Terre. Par conséquent, l'humanité veut vivre plus longtemps que le cycle de 10 000 ans. De la Terre, formation, stabilité, dissolution, destruction. Les humains doivent cohabiter avec l'intelligence des personnes civilisées de l'époque atomique et électronique pour que la Terre ait. 1. Une durée de vie de lui de 10 milliards d'années. 2. Le cycle formation, stabilité, dissolution, destruction de lui de 10 000 ans. 3. Lui de 10 milliards de personnes vivant sur cette terre. Les humains doivent abolir la façon de vivre selon l'esprit de l'homme de l'âge de bronze. Et devaient vivre selon l'esprit de l'homme de l'époque atomique et électronique et réorganiser les quatre parties dont premièrement sur le leadership de chaque pays. Il faut s'organiser selon l'homme de l'époque atomique et électronique de mettre fin à l'attachement à sort de l'homme de blanche de bronze. Deuxièmement, sur l'organisation militaire de chaque pays. Il faut s'organiser selon l'homme de l'époque atomique et électronique et mettre fin à l'organisation militaire de l'homme de l'âge de bronze. Quatrièmement, sur l'organisation du bien-être du peuple de chaque pays. Il faut s'organiser selon l'homme de l'époque atomique et électronique. Il ne faut pas s'organiser selon l'homme de l'âge de bronze.
buộc xe các bậc tí d'organisation. Chaque pays nomme des personnes chères en chute de bouc prendre son de la nation et du peuple. Qu'il s'assoit en ensemble pour trouver la meilleure méthode prendre son de la terre et de l'humanité. Lorsque chaque pays associe la méthode d'organisation la plus excellente, il la présentera au Conseil de sécurité mondiale, qui décidera quelle est la meilleure façon de s'appliquer au monde entier, alors où l'humanité et la Terre auront quatre profits. En profit, la Terre est en sécurité et se développe bellement et brillamment. De profit, les humains sont passibles, s'amusent ensemble et sont amis. Trois profit, la population est égale. Tout le monde a une maison pour vivre, sans le problème des plus et des pauvres. Quatre profit, la foi dans le bouddhisme est complètement juste, pas de superstition, et si le niveau intellectuel du peuple n'est pas à se méprendre sur les choses visibles ou invisibles, même les plus petites choses. Lorsque l'humanité et la terre sont stables, les humains et toutes les choses sur cette terre apparaissent la vie céleste dans ce monde. C'est le rapport du prince Siddhartha. Le gain sur cette terre est appelé notre prince Bouddha Sakyamuni.